Bonjour, je suis aujourd'hui avec Saïd Bouamama. On va parler ensemble bientôt sur son nouveau manuel sur l'immigration. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans Michel Midi. Ça fait longtemps. Il n'y avait pas de grands problèmes, juste trop de travail et la guerre en Ukraine qui nécessitait absolument de faire un livre sur la désinformation, les fake news. C'est donc « Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation ». Ça va sortir bientôt, on en reparlera prochainement. Et voilà, trop de travail, on a besoin de renfort, mais on est en train d'essayer d'élargir l'équipe. Je voudrais dédier cette émission à Jean Pestiot, qui est un camarade de Saïd et de moi, qui vient de nous quitter. C'est un vieux camarade avec qui j'ai milité à partir des années 70-70 et pendant très longtemps. C'était quelqu'un de très très important, enfin modeste, mais important justement de cette manière-là. J'ai échangé il y a 2-3 jours avec Jean Bricmont, un assistant, un collègue, un ami à lui, qui, avec beaucoup de divergences, de controverses, de disputes, avait une affection très profonde pour lui et qui me rappelait que Jean venait d'une famille dont le père était agriculteur. Il a dû arrêter ses études quand le père est mort pour s'occuper de la ferme. Et puis, il a fait par lui-même, par ses forces, des études brillantes. Il est devenu professeur de physique à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Puis il est allé travailler au Mexique et donc c'était à la fois un militant et un scientifique. Et je pense que ça, c'est bien, on aurait besoin de scientifiques. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait un franc-parler, une grande gueule au bon sens du mot. Et quand je militais avec lui, qui n'était pas d'accord, qui trouvait que je faisais des bêtises, il avait parfois raison, il n'hésitait pas à me le dire franchement. Voilà, je crois qu'on a besoin de ça. Sur sa nécrologie, il y avait une phrase très émouvante, une poétesse d'Amérique latine qui disait « J'ai confiance dans les nouvelles générations ». Moi aussi, j'espère que les nouvelles générations révolutionnaires en Belgique et partout partageront justement cette franchise de gens, pas de coups fourrés, pas de manœuvres en coulisses. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, on débat. Et c'est ça le ciment pour un grand... pour un engagement dont le monde actuel a de plus en plus besoin. Jean, c'était vraiment, comme le disait l'autre Jean, son ami, quelqu'un de solide comme un roc et qui résistait à toutes les offensives idéologiques des jardiniers. Ben oui, vous avez entendu parler de cette phrase incroyable de notre plus haut représentant à tous sur la politique étrangère, M. Borrell, le haut représentant pour la politique internationale, qui a déclaré... et justement Saïd dans son émission Le Monde vu d'en bas, que je vous en recommande, il en a parlé. Borrell a déclaré au fond que nous on était les civilisés et tous les autres les sauvages, que nous on était dans le jardin, que le jardin il est très propre et bien entretenu, et que les sauvages allaient essayer de nous envahir et de détruire tout ça. Donc je crois qu'on a une bonne transition entre Jean, Borrell et Saïd. Saïd, donc tu es invité pour cette grande reprise de Michel Midi à l'occasion de la sortie de ton manuel sur l'immigration avec sous-titre « Les déracinés du capital ». Pourquoi un bouquin sur l'immigration ? On en parle déjà beaucoup. Oui, on en parle beaucoup, mais on en parle à tort et à travers. Parfois, on pourrait se demander s'il ne serait pas plus intéressant pour les immigrés comme pour l'ensemble des peuples européens que l'on en parle moins parce qu'on en parle mal. Ce manuel, il avait pour vocation de rappeler quelques faits scientifiques, de rappeler l'état des travaux de recherche sur l'immigration, puisque si l'on écoute le débat politique et médiatique dominant en Europe, l'immigration est présentée comme étant une véritable catastrophe pour les peuples et les pays européens et est présentée comme étant un véritable danger qu'il faudrait canaliser à tout prix, y compris au risque de laisser périr des réfugiés. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert. Des milliers
de migrants causés par nos politiques économiques européennes et états-uniennes, causées par les guerres qui sont suscitées par les grandes puissances. Et donc cette immigration, ces réfugiés, eh bien, meurent en Méditerranée parce que l'Europe a décidé de devenir une forteresse. Non seulement les ingérences économiques et politiques dans les pays du Sud provoquent l'immigration, mais en plus, on ne permet même pas à la minorité qui essaye de franchir la mer pour survivre, eh bien, d'être accueillie. Oui, alors, moi, dans la presse que je lis, en Belgique, pour l'instant, l'État belge se fait condamner, je crois, 148 fois, parce qu'il laisse des réfugiés, y compris des jeunes enfants, dans la rue, en cette saison, et qu'il dit, voilà, on ne peut pas les accueillir, et puis on s'en fout. Et on a évidemment, dans les journaux bien-pensants, beaucoup de phrases, mais c'est quand même immoral, c'est pas bien, on doit faire quelque chose pour ces réfugiés. Et jamais je ne trouve dans ces articles, dans ces émissions de radio ou de télé, une analyse des causes, mais pourquoi il y a tant de réfugiés et pourquoi ils sont traités comme ça? Absolument, c'est un des mécanismes idéologiques qui consiste à ne parler que des conséquences et ne jamais parler des causes. Or, comprendre une situation, c'est d'abord comprendre les causes qui la suscitent. Les peuples africains, comme tous les peuples du monde, ne voyagent pas ne migrent pas par plaisir. S'ils s'en vont, c'est qu'ils sont contraints par leurs conditions d'existence de partir. C'est qu'ils sont contraints pour des raisons de sécurité de partir. Et en plus, ça n'est qu'une minorité qui s'en va, bien entendu, puisque pour la grande majorité, ce sont des pays pauvres qui accueillent les réfugiés d'autres pays pauvres. Et bien entendu, cela n'est pas présent dans les médias, cela n'est pas exposé dans les médias, et ça n'aide pas le citoyen des pays européens à comprendre les raisons de la situation. Alors, on va un peu commenter ce bouquin, c'est impossible de parler de tout. Je le montre ici à l'écran pour que vous voyez que c'est en fait dans la continuation des autres manuels de Saïd sur l'Afrique, le manuel stratégique de l'Afrique. C'est toujours une présentation extrêmement illustrée. On a voulu faire on a voulu faire un bouquin avec beaucoup de choses pour attirer tous les publics, y compris les jeunes qui doivent travailler, je veux dire sur ces matières-là, pour l'école, pour l'université, etc. Et donc, il y a une table des matières très très riche que je vous montre. Ici, ça commence par nos ancêtres les Africains. Est-ce qu'il est nécessaire de remonter si loin quand on étudie le racisme ? Absolument, absolument. Nous sommes dans une période où malheureusement ressurgissent des idées que l'on pensait définitivement abandonnées, et en particulier des idées de supériorité raciale. Et il fallait donc rappeler tout simplement que nous sommes tous des descendants des peuples africains, que l'humanité provient d'Afrique, même si après elle est devenue mondiale, mais elle provient d'Afrique. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. On a des preuves, on a de multiples travaux qui convergent pour nous rappeler cette source africaine de l'humanité. Oui, j'ai montré une carte qui est dans ton livre qui montre qu'effectivement, nous sommes tous des Noirs qui ont éventuellement blanchi à cause du climat. Je dois dire que depuis que je suis au courant de cet argument scientifique, je l'utilise quand je suis en discussion, ce qui arrive forcément, hein, quand on rencontre un peu tout le monde, on rencontre, disons, des racistes doux ou des racistes moins doux. Et donc, quand je dis, mais tu sais, tu es un Noir, hein, tu es un Noir qui a blanchi depuis quelques générations, donc attention à ce que tu dis de mal sur eux. C'est un argument qui porte, hein. Ça veut dire qu'on doit essayer d'avoir un bagage scientifique, mais c'est accessible à tout le monde, des choses comme ça? Absolument. Il ne s'agit pas de maîtriser, de devenir tous des biologistes, de devenir tous des anthropologues, etc. Mais par contre, les conclusions des recherches scientifiques, surtout celles qui sont convergentes et qui sont avérées, prouvées, qui ne sont plus remises en cause dans le monde scientifique, eh bien, nous devons les connaître. Il faut qu'on reprenne l'habitude que notre militantisme soit ancré dans de la science, sans avoir forcément une connaissance totale des travaux scientifiques, ni une maîtrise totale de leur raisonnement. Au moins, les conclusions avérées doivent nous servir de base et de repère.
Parce que quand on est dans l'émotion, oui, mais raciste, c'est pas bien, il faut être gentil avec les gens, il faut être humain, ou un chrétien ne peut pas faire ça, c'est pas suffisant pour convaincre des gens. C'est loin d'être suffisant, tout simplement parce que l'émotion, c'est pas ce qui va nous permettre de convaincre quelqu'un qui est marqué par des préjugés, est marqué par de la manipulation idéologique, etc. Ce qui peut le convaincre, c'est l'argumentation rationnelle, et c'est donc des dimensions factuelles, des dimensions de conclusion scientifique, et non pas de jouer sur l'émotion. Donc se former pour pouvoir informer, pour pouvoir débattre et pour pouvoir combattre le racisme. Je pense que c'est un bouquin qui affiche clairement la couleur. Il s'agit de donner un instrument pour combattre le racisme et l'extrême droite qui utilise le racisme. Absolument. Le mythe d'être à égale distance entre raciste et antiraciste est un mythe. Le racisme est une idéologie qui tue, une idéologie qui divise, une idéologie qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est, et donc qui empêche de voir les véritables questions. Et donc, avoir une démarche rationnelle sur le monde, c'est être antiraciste aujourd'hui. Alors, je vois dans le chapitre 2... de la table des matières, je l'ai posé sur ma table parce qu'il est un peu lourd à tenir en main. Je vois là des références à l'histoire, et souvent, quand on discute maintenant, on entend « oui, les Européens, ça va, le problème, c'est les Marocains ou les Algériens ou les Noirs, ça, c'est quand même... il y a une différence, il y a un problème. » Ça, on entend. Est-ce que justement les racismes précédents, quand il n'y avait pas d'Arabes et de Noirs qui émigraient, ou quasiment pas en Europe, est-ce que les racismes précédents, c'est instructif? Ah, c'est absolument nécessaire de regarder cette partie de l'histoire. En fait, il y a un roman qui est mis en place sur les immigrations qui auraient été réussies, bien accueillies, qui auraient été exemplaires, que l'on opposerait aux immigrations d'aujourd'hui qui seraient négatives, en échec, culturellement impossibles, etc. Dans le livre, il y a tout un chapitre qui est consacré aux immigrations européennes, dans lequel je compare les discours tenus aujourd'hui sur les immigrations qui viennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, au discours qui était tenu sur les Italiens, les Espagnols, etc. Je lis, excuse-moi Saïd, je lis un titre provoquant ici dans la table des matières, « Interdit aux chiens et aux Italiens ». Il y avait vraiment ça? Absolument, il y avait ça, c'était très fréquent, c'était sur les fenêtres des bistrots, c'était dans des lieux publics où on ne pouvait pas accéder, c'était très fréquent. Il y a un film belge qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Interdit aux Italiens et aux chiens », et qui rappelle pour la Belgique ce moment de l'histoire. Donc on avait au niveau du discours tenu, on a le même discours que celui qui est tenu aujourd'hui sur les immigrations contemporaines. Mais au-delà du discours, il y avait la même fonction économique, c'est-à-dire que les immigrés italiens, polonais, portugais, etc., étaient assignés au même type d'emploi, ce qui était des emplois surexploités, des emplois plus dangereux, des emplois moins bien payés, etc. Mais ça ne s'arrête pas aux immigrations européennes. À l'intérieur de chacune des nations, on peut retrouver encore une immigration plus ancienne, celle qui venait des régions rurales vers les villes. Et donc je compare les mêmes discours qui étaient tenus sur les Bretons ou les Auvergnats, et on retrouve les mêmes images, les mêmes préjugés et les mêmes places économiques pour les Bretons, les Auvergnats, etc. Donc on est toujours l'immigré de quelqu'un, en fait. On est toujours l'immigré de quelqu'un, et nous sommes tous des immigrés ou des enfants d'immigrés. Et c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire. Bon, effectivement, ça montre la nécessité d'arriver à amener du bon sens et du sens scientifique dans ces histoires-là. Il y a un chapitre sur colonisation et immigration. Est-ce que le racisme est lié à au colonialisme? Est-ce que ça joue un rôle? Alors, c'est un des chapitres les plus importants pour moi, parce que une des difficultés que l'on a dans le combat antiraciste, c'est la diffusion d'idées toutes faites du type « le racisme a toujours existé »,
du type c'est la face cachée de l'humanité. Si tel était le cas, ça voudrait dire que le racisme, eh bien, c'est une damnation éternelle, qu'on ne peut pas le supprimer, qu'il ne pourra jamais disparaître, etc. Cela est une erreur fondamentale au niveau de l'histoire. Si l'on regarde les théorisations, il n'y avait pas de théorisation raciste avant l'apparition du capitalisme et avant l'apparition de la colonisation, qui sont simultanées, qui naissent en même temps. Colonialisme et capitalisme naissent de manière simultanée. Pas de théorisation raciste. Il y avait quand même des chocs et des heurts. Parfois, il y avait des contradictions entre nations. Absolument. Mais qui étaient d'une autre nature. Ce que l'on avait, c'était soit de la xénophobie, c'est-à-dire de la peur de l'étranger, la peur de celui qu'on ne connaît pas, soit de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le repli sur sa propre culture, la connaissance de sa seule culture. Ces choses-là ont pu donner naissance à des affrontements et à des violences, mais ça ne pouvait pas être une théorisation qui mettait l'humanité en catégorie hiérarchisée. Ça, c'est une réalité nouvelle qui n'apparaît que quand ? Eh bien, qui apparaît lorsqu'un système économique a besoin, pour justifier son expansion, de présenter les autres comme inférieurs à civiliser. Et c'est pour cela que les premières théorisations racistes, c'est-à-dire les idéologies qui découpent l'humanité en races et qui hiérarchisent ces races, datent de la naissance du capitalisme et datent de la naissance du colonialisme. Dans le livre, je montre la chronologie et la différence entre ethnocentrisme, xénophobie et racisme. Ethnocentrisme et xénophobie sont liés à la faiblesse des échanges entre les groupes humains. Donc c'était à une époque où le progrès technique, les forces productives ne permettaient pas d'échanges suffisants entre groupes humains et amenaient les groupes humains à ne pas se connaître, alors que le racisme naît au moment où, au contraire, les groupes humains se connaissent par la force avec la colonisation et le capitalisme. Et donc on voit bien que avec le capitalisme naît quelque chose de nouveau qui est le racisme. Et c'est essentiel de bien avoir cette chronologie en tête, parce que si le racisme, on peut le dater historiquement, eh bien ça veut dire qu'il peut disparaître. Il suffit de supprimer la raison qui l'a fait naître, c'est-à-dire le besoin de hiérarchiser les êtres humains pour instaurer une domination, pour que le racisme disparaisse. Dans construisant une société dans laquelle il n'y a plus le profit, et nous n'aurons plus besoin du racisme. Donc tu es en train de nous dire qu'en fait le racisme c'est quelque chose qui est fabriqué par les élites. J'ai envie de revenir un instant à Josip Borrell parce que j'ai vraiment été choqué. Je dois dire, je n'imaginais pas qu'en 2022, un de nos plus hauts dirigeants allait oser dire des choses aussi dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je crois qu'on doit s'interroger, au-delà de l'indignation immédiate, pourquoi des choses pareilles sortent maintenant ? Et comme je suis en train de travailler sur l'Ukraine, je fais déjà un petit peu de publicité pour le bouquin, on est quand même dans une politique étrange de nos dirigeants européens qui sont en train de nous faire payer le gaz 3 ou 4 fois plus cher pour importer du gaz polluant des États-Unis, alors que il y avait un approvisionnement sécurisé, qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là, que selon moi, il y a une désinformation énorme dans cette guerre d'Ukraine, mais ça on en parlera une autre fois. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de nous vendre une politique qui va nous faire très mal? Et on le voit déjà dans les portefeuilles des simples gens, c'est le sujet numéro un quand on va chez le boulanger, etc., c'est comment on va payer toutes ces factures. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de nous vendre une politique qui nous fait du mal dans nos portefeuilles, dans nos vies, et justement que pour ça, ils ont besoin d'un bouc émissaire et de dire « nous, on est les meilleurs et c'est à cause des autres que tout va mal » ? C'est une fonction essentielle du racisme. Imposer des débats écrans, c'est-à-dire de faux débats qui masquent les vrais débats, et concentrer la colère, détourner la colère, canaliser la colère qui vient des politiques économiques vers une population qui est bien entendu pas celle qui est la véritable cause, puisque la véritable cause, c'est ceux qui prennent des décisions économiques et qui nous plongent dans la misère. Le bouc émissaire est une des fonctions essentielles du racisme. Je parcours le reste de la table des matières qui est très riche, et tu as choisi ici un titre qui a l'air assez provocant, « La fabrique des sans-papiers ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre provoque ? Mais ça veut dire tout simplement que on nous présente les sans-papiers comme étant quelque chose pour lequel une production dans laquelle nous n'avons aucune responsabilité. Or, les sans-papiers sont le résultat des choix économiques,
des grandes puissances de ce monde, et en particulier des États-Unis et de l'Europe, en décidant d'imposer aux pays du Sud, aux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des plans d'ajustement structurel dans les années 70, on a fait le choix d'un pillage de ces économies et d'une plongée dans la misère des peuples de ces pays. En faisant le choix, en imposant par ces plans d'ajustement structurel l'ouverture complète des marchés, c'est-à-dire la mise en concurrence du petit producteur de riz malien avec les grandes multinationales soutenues par l'Union européenne, eh bien, ont provoqué la pauvreté et la misère dans ces pays. Tout cela avec le discours de la liberté des échanges, de la liberté du commerce, etc. En réalité, on a mis en concurrence des mastodontes avec des petits producteurs, et donc on produisait la misère. Les sans-papiers ne sont que le résultat de cette situation-là. Parce que pour qu'ils deviennent sans-papiers, il a fallu aussi changer les lois. Donc on a mis en avant le discours de l'invasion, ils viennent, ils sont trop nombreux, ils vont nous envahir, etc. Et donc il faut être sévère dans l'attribution des papiers pour ceux qui arrivent à franchir les frontières. Résultat, nous retrouvons avec des personnes qui se retrouvent ici et qui se retrouvent sans papiers, c'est-à-dire sans aucun droit. Les sans-papiers sont le résultat de la politique économique internationale des grandes puissances et des lois qui sont votées ici et qui rendent illégales des personnes qui pourraient travailler, puisqu'ils travaillent en ayant les mêmes droits que les autres travailleurs. Mais en fait, c'est un peu hypocrite, parce qu'on dit qu'ils ne peuvent pas entrer, mais on les fait quand même entrer, mais on veille à ce qu'ils n'aient pas de papier, pas de droits, qu'ils vivent dans la peur. Est-ce que l'immigration, du point de vue du grand patronat, c'est intéressant justement pour avoir des gens qui n'osent pas protester et qui ont peur ? Absolument. Il n'y a aucune volonté aujourd'hui réel d'expulser les sans-papiers en masse. On pourra en reparler dans quelques années, mais il n'y aura pas d'expulsion massive des sans-papiers. Pour une raison toute simple, c'est que des secteurs économiques entiers ont construit leur développement économique et leur marge de profit, et même de surprofit, l'ont construit sur l'existence d'une main-d'œuvre qui n'a aucun droit. Je parle de la restauration, je parle du bâtiment, je parle de la confection, je parle de l'agriculture. On a toute une série de branches industrielles dans lesquelles, de manière cynique, on a calculé le profit envisageable à partir de l'idée que des hommes et des femmes n'auraient aucun droit et ne dépendraient pas du droit du travail classique qu'ont arraché les travailleurs par leur lutte. Donc, tu nous dis que c'est, au fond, fabriquer des sans-papiers, c'est parce que c'est tellement intéressant, ça veut dire qu'il y a un plan capitaliste par rapport à ça, c'est pas un peu complotiste des thèses comme ça ? Il n'y a pas besoin d'un plan. Il y a eu la mise en place d'une situation de fait qui ensuite a été validée, confortée par des lois. Ça n'est pas un plan prédéterminé, il n'y a pas des gens qui se sont mis dans un bureau en faisant un calcul, mais la recherche du profit maximum a conduit des employeurs à cela et des gouvernements, dans la défense de ces employeurs, à mettre en place des lois qui correspondaient à ces intérêts. Alors, je vais faire le lien avec tes livres précédents dont j'ai parlé tout à l'heure, le manuel stratégique de l'Afrique, qui analyse, entre autres, le thème de la France-Afrique. À chaque président français, on a un discours « maintenant c'est changé, la France-Afrique, ça n'existe plus ». Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à vos derniers présidents, qu'est-ce que tu penses de cette thèse-là ? Alors, d'abord, c'est cette situation un peu particulière de ce mot « France-Afrique », puisque tous les présidents en place disent « ça n'existe plus », et celui d'après vient nous dire « ça n'existe plus ». Donc ça veut dire que ça perdurait. Si on prend les trois derniers présidents, juste quelques mots pour chacun d'entre eux. Sarkozy, on va remonter à Sarkozy. La guerre de Libye, symbole énorme de ce qu'est la France-Afrique. Qu'est-ce que la France-Afrique ? C'est des États européens qui s'autorisent, des États européens et la France en particulier, qui s'autorisent des ingérences politiques, économiques et militaires pour maintenir les intérêts, leurs intérêts en Afrique. Sarkozy et la guerre en Libye a déstabilisé durablement toute l'Afrique de l'Ouest et tout le monde le savait. L'Union africaine à l'époque
proposer une négociation avec Kadhafi qui aurait pu mettre, et Kadhafi était d'accord, qui aurait pu mettre fin à la guerre, mais les intérêts étaient la déstabilisation de la région pour pouvoir maintenir une présence française et européenne. Son successeur, Hollande, met en place l'opération Barkhane dans la foulée de Sarkozy, dans la foulée de la désagrégation de la région, de la déstabilisation de la région. Eh bien, on met en place Barkhane. Hollande dit lui-même à cette époque-là, nous sommes là pour une durée que nous ne pouvons pas déterminer et qui est de long terme. Autrement dit, la destruction de la Libye visait à justifier une présence militaire durable. Le résultat, et ça c'est encore la France-Afrique, et le résultat, c'est la situation actuelle dans laquelle non seulement le djihadisme pour lequel on a mis en place Barkhane n'a pas reculé, mais en plus, nous n'avons pas un seul pays qui est déstabilisé, mais toute une région qui est déstabilisée. Donc, François Hollande, qui avait annoncé la fin de la France-Afrique, n'a fait que la continuer. Quant à Macron, il suffit de regarder la situation en Afrique de l'Ouest et en particulier au Mali. À moins de considérer tous les peuples de la région comme des peuples étant devenus fous, force est de constater qu'il y a des manifestations contre la présence militaire française en Centrafrique, au Niger, au Mali, au Bénin. Autrement dit, on est vraiment dans cette politique aujourd'hui où derrière le discours de la lutte anti-djihadiste se cache juste quelque chose, la volonté de maintenir ces régions dans le giron européen parce qu'elles sont extrêmement riches en matières premières et en ressources énergétiques. Donc, il faut résumer le concept de France-Afrique par la France a le fric. Absolument. Et je pense qu'il ne faut d'ailleurs pas seulement parler de France-Afrique, mais également d'Eurafrique. Parce que depuis les indépendances, en réalité, quand on parle de France-Afrique, la France n'a été que le gendarme des intérêts européens. En gros, il y a eu un deal qui était toi, tu te spécialises dans l'intervention militaire. Et nous, on assure les dimensions économiques derrière. Mais on voit avec plaisir qu'il y a quand même des résistances de plus en plus fortes. Il y a une jeune génération africaine. C'est un peu le souhait qu'il y avait entre les lignes dans ton manuel stratégique de l'Afrique, c'est que les temps ont changé, la passivité, le fatalisme reculent et il y a un espoir qui naît. J'entendais là récemment une vidéo de Ibrahim Traoré, pardon, au Burkina, on retrouve un peu Sankara et les appels à la souveraineté populaire. Absolument. Dans le manuel stratégique de l'Afrique, nous étions au tout début de cette nouvelle dynamique populaire qui remet en avant l'idée de patriotisme économique, ce qui, dans un pays dominé, est quelque chose d'extrêmement important, de souveraineté nationale. On avait quelques associations qui se mobilisaient déjà et donc c'est présenté dans le manuel stratégique de l'Afrique. Aujourd'hui, cette situation, ce mouvement s'est beaucoup développé jusqu'à avoir des effets sur les pouvoirs. Et donc, que ce soit au Mali ou au Burkina, on a une nouvelle génération qui a comme programme la souveraineté nationale, a comme programme l'autosuffisance alimentaire. Alors, on verra si ils sont en mesure de le faire, on verra si on les laisse faire, mais en tout cas, du côté des peuples, ces nouveaux pouvoirs sont soutenus et encouragés. On verra si on les laisse faire. Il y a aussi un rôle pour les gens qui nous écoutent à jouer par rapport à ça. Il faut vraiment empêcher qu'on aille de nouveau massacrer des dirigeants africains qui veulent le bien de leur peuple, parce que tu as publié un livre sur les figures de la révolution africaine et tu as parlé justement de, je ne sais pas, je crois qu'il y a bien des dizaines de responsables, de dirigeants africains qui ont été assassinés principalement par la France, la Belgique aussi un peu. Absolument, l'Afrique a été le pays qui a, enfin le continent qui a tenté le plus d'expériences économiques et politiques socialistes. La plupart des leaders qui ont porté ces expériences ont été assassinés. C'est parce qu'on a tendance à les oublier, mais si on regarde depuis les années 60, eh bien, quasiment toutes les expériences se sont traduites par la mort du leader, par l'assassinat du leader, par un coup d'État soutenu par les États-Unis ou la France, du Mali de Modibo Keïta, en passant par le Congo de Lumumba, en passant par Sankara.
on ne compte plus le nombre de leaders qui avaient comme projet une économie indépendante, qui ont été supprimés ou qui ont été victimes d'un coup d'État. Donc voilà la chose à répondre à M. Sarkozy et son nègre, si j'ose dire, Henri Guénot, qui écrivait ses discours et qui avait eu l'audace de dire que les Africains, ils ne se bougeaient pas, qu'ils étaient un peu fainéants, endormis, et que c'est pour ça qu'ils étaient pauvres et qu'ils devaient nous imiter. Donc voilà un peu la manière de le répondre. Je voudrais qu'on vienne aux choses concrètes, parce que je vais dire aux choses concrètes d'ici, bien sûr, parce que c'est quand même des choses qu'on entend. Oui, mais les immigrés prennent le travail dont les Français ou les Belges ne veulent pas. Donc, il faut être gentil pour eux, parce que hein, c'est nous qui ne voulons plus faire du travail comme ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire par rapport à ce cliché ? D'abord que c'est un cliché. Nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle le statut accordé aux travailleurs immigrés et aux sans-papiers en particulier, sont des statuts de sans-droit. C'est complètement légitime et normal, non pas que l'on refuse un travail, mais que l'on refuse les conditions faites pour tenir ce travail. Ce que remettent en cause les travailleurs européens, ça n'est pas d'avoir les emplois qu'ont les travailleurs immigrés, c'est d'avoir les emplois qu'ont les travailleurs immigrés à ce salaire-là, dans ces conditions de travail-là, etc. Si les travailleurs immigrés avaient les mêmes salaires et les mêmes conditions de travail que les autres, eh bien, il n'y aurait plus de concurrence. Il n'y aurait plus cette division et cette segmentation du marché du travail que met en place le patronat. En réalité, on nous ment sur la présentation de la situation. Il n'y a pas de refus de travail par les travailleurs européens. Il y a le refus de travail dans certaines conditions, avec certains salaires. Et les travailleurs immigrés ne sont pas demandeurs de ces conditions de travail. Ils sont contraints de les accepter, ne sont pas demandeurs de ces salaires, ils sont contraints de les accepter. C'est évidemment, ça pose un problème de stratégie, je dirais, aux syndicalistes d'ici, parce que parfois, comme on oppose les uns aux autres, il peut y avoir des tentations de protéger l'emploi de ceux qui sont déjà là. J'avais, il y a quelques années, vu une réaction assez originale des syndicats suédois sur ce problème, et ils avaient dit, voilà, on n'est pas contre que vous faites venir des immigrés ici, mais ils doivent avoir exactement les mêmes conditions de travail et de salaire que nous ici. Je pense que c'est la bonne réponse, et je pense que c'est ça que nous devons développer dans nos organisations syndicales. À partir du moment où les travailleurs immigrés ont les mêmes salaires et les mêmes conditions de travail, le patronat n'a plus aucun intérêt à diviser le monde du travail comme il le fait aujourd'hui. Il n'y arrive plus. Et par ailleurs, il faut aussi poser la question des causes, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité sur les économies qu'il y a dans les pays du Sud, d'empêcher nos gouvernements de saboter ces économies, parce que les peuples africains n'ont pas envie de partir non plus. Ils auraient envie de venir voyager, mais comme nous allons en Afrique un mois ou deux mois, mais ils n'ont aucune envie, il n'y a pas quelque chose qui les pousserait vers l'Europe, qui serait un amour de l'Europe, ou il n'y a pas quelque chose d'irrationnel. C'est pas un choix, c'est pas un choix, c'est forcé. Le racisme, est-ce qu'il n'est pas en train d'évoluer ? Il y a des choses qu'on disait avant ou qu'on écrivait, genre les Noirs ont le cerveau plus petit, des trucs comme ça. Ça, sauf quelques milieux vraiment fachos, on n'entend plus. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'il y a maintenant des racistes respectables qui seraient peut-être plus dangereux ? Absolument. Le racisme a une histoire. Il a pris différents visages. En fait, il change de visage quand le visage ancien qu'il avait n'est plus efficace, lorsqu'il est décrédibilisé. Par exemple, la première forme historique qu'a pris le racisme, c'est le racisme biologique. Ça a été d'affirmer, et on a eu le développement de pseudo-sciences qui tentaient de prouver cela, que physiquement, il y avait une supériorité du blanc sur le noir. Et donc, on mesurait les crânes, on mesurait les tailles, on mesurait toute une série de choses pour prouver cette supériorité. Après la défaite du nazisme, ça n'était plus possible de tenir ce discours-là, puisque les nazis ont appliqué ce discours à l'intérieur même des Blancs, en disant « dans les Blancs, il y en a des supérieurs à d'autres ». Et donc, c'était complètement décrédibilisé, donc il n'était plus possible de l'utiliser. Et donc, on va avoir un second âge du racisme, qui va être le racisme culturaliste. On ne va plus dire « c'est les corps qui sont hiérarchisés », mais c'est les cultures. Il y a des cultures supérieures et des cultures inférieures.
Ça va être au moment des années 60 et ça va accompagner le néocolonialisme. On va venir dire, OK, vous êtes nos égaux, mais vous n'avez pas la culture qui vous permet de vous développer. Donc on va venir vous expliquer comment vous développer. Et bien entendu, c'était une certaine conception du développement qu'on amenait et non pas le développement. Et puis, on a la mondialisation aujourd'hui. Et la mondialisation aujourd'hui, elle oblige à des dimensions géostratégiques continentales ou sous-continentales, en tout cas sur des régions entières. Et bon, on va voir apparaître ce que moi j'appelle le nouvel âge du racisme, qui est le racisme civilisationnel, parce que ça découle de la théorie de Samuel Huntington, qui découpait le monde en civilisations, qu'il présentait comme antagonistes, comme ne pouvant pas coopérer les unes avec les autres. Et qu'il précisait qu'il y en avait une d'entre elles, la civilisation occidentale, qu'il considérait comme à défendre et comme supérieure par rapport aux autres. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, au niveau des guerres qui parcourent la planète, on voit aujourd'hui se concrétiser tous les ennemis que mettait en avant Samuel Huntington, puisqu'il présente à l'intérieur la civilisation arabo-islamique comme étant une civilisation qui menace l'Occident. Ensuite, et on a eu les guerres d'Afghanistan, d'Irak, etc. On a l'ennemi orthodoxe, et il suffit d'aller regarder la politique d'encerclement de la Russie que tente de mettre en place Biden, etc. Et puis, on a la civilisation confucéenne. Donc, on voit bien que les trois cibles qui étaient mises en avant et qui était une hiérarchisation de l'humanité, et bien sont aujourd'hui, donnent naissance aujourd'hui à toutes les scènes de conflit que nous vivons. Oui. Donc, si on veut combattre le racisme, ben, on doit aussi faire l'effort d'étudier le racisme, de comprendre ses manifestations, ses tactiques, si on veut vraiment le démolir. Absolument. Si on se contente de combattre la première forme du racisme, eh bien, on aura en face de nous des gens qui vous diront « mais nous, on n'est pas racistes, nous, on ne pense pas qu'il y a une hiérarchie de couleurs. Non, 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 vous vous trompez. » Et donc, si on veut être efficace, il faut prendre le racisme dans son évolution et étudier ses formes actuelles. Dans le livre, il y a des chapitres qui sont consacrés à l'islamophobie et à la négrophobie. C'est important d'étudier ça ? Oui, ça correspond à ce que j'ai, à justement ce nouvel âge du racisme civilisationnel, puisque là, c'est des aires géographiques entières qui sont, et non plus des pays, et non plus des races, mais des aires civilisationnelles qui sont hiérarchisées. Et ça correspond effectivement à ces civilisations qu'avait décrit Huntington. Donc, c'est le racisme contemporain. Je montre un instant la table des matières avec des éléments dont on vient de parler. Il y a un problème aussi, surtout en France, c'est que la théorie du grand remplacement, au départ, c'était les fascistes, et même certains fascistes surtout, qui la sortaient comme ça ouvertement. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'infiltrer, y compris pas loin de l'Élysée ? Absolument. On a eu, lors de la dernière campagne présidentielle, non seulement des fascistes qui ont utilisé ouvertement l'expression « grand remplacement », mais on a eu également des personnes de droite. On a eu au sein du gouvernement, avec d'autres mots, cette idée d'une invasion, ce qui est un mensonge scientifique et énorme. Aujourd'hui, tous les démographes vous disent qu'il n'y a pas de danger d'invasion, il n'y a pas de danger de grand remplacement, il n'y a aucun danger de submersion. Tous ces mots qui sont utilisés ont pour objectif de créer une situation d'angoisse, de faire peur, parce que devant la peur, effectivement, ben ça remplace la rationalité et ça empêche de voir la véritable situation, qui est qu'en réalité, il n'y a pas de danger pour les peuples européens. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a en revanche un besoin démographique dans les pays européens. Et c'est là qu'on voit toute l'irrationalité. On nous parle de grand remplacement au même moment où, en réalité, nous aurions besoin, si nous avions un raisonnement scientifique simplement, nous aurions besoin d'apports migratoires extérieurs. Voilà donc une présentation de manuel sur l'immigration, les déracinés du capital, pour ceux
nombreux qui nous ont rejoints en cours d'émission. C'est un des nouveaux livres d'investigation. Je suis assez fier de cette réalisation. Je remercie David qui en avait préparé l'illustration et la mise en page. C'est quelque chose que vous pouvez vous procurer sur le site d'investigation. Et bon, c'est maintenant la période des cadeaux de bouquins qui arrivent. Donc, pensez-y, pensez à vos amis, à vos familles. Il est temps, il n'est plus l'époque d'offrir des cravates à Noël. Donc, voilà quelque chose qui sera bien utile. Je voudrais, encore je signale, le livre est préfacé par Anne Morelli, que beaucoup d'entre vous connaissent, l'auteur des principes élémentaires de la propagande de guerre. Elle vient de sortir chez l'éditeur Aden une nouvelle version augmentée, parce que bien entendu, avec l'Ukraine et tout ce qui vient de se passer ces dernières années, ça se réinvente, la propagande de guerre, il faut se tenir à jour. Donc, dans cette préface d'Anne, elle exprime franchement des points sur lesquels elle n'est pas d'accord avec Saïd, et moi je ne suis pas d'accord avec Anne, et on l'a publié. Et justement, je crois que ça montre que ce livre, ce n'est pas quelque chose à ranger dans une bibliothèque parce que c'est beau, effectivement c'est un beau livre, mais c'est surtout une arme, un instrument pour le débat, pour la discussion, pour la lutte pour nos intérêts dans la vie quotidienne. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut recommander. Nous avons jeudi à Liège, en Belgique donc, oui, j'ai fait une petite erreur dans mon annonce, donc je vais devoir la dire oralement. Jeudi prochain à 18h30 à la FGTB Place Saint-Paul, que tous les Liégeois connaissent, un débat avec Saïd Bouamama qui viendra présenter son livre en partenariat avec Intal et beaucoup d'autres organisations qui l'accueillent. Grégoire Lelieu, le rédacteur en chef du site, et moi-même, nous serons là. Nous allons bien entendu vous proposer ce livre et les autres livres de Saïd et les autres. Donc et on va faire, comme on sait que les portefeuilles ont beaucoup de mal pour l'instant, on va faire des offres et c'est vraiment le moment de venir nous rejoindre et en plus débattre avec Saïd. Vous avez vu que c'est quelqu'un d'extrêmement simple et sympa et qui ne fait jamais la langue de bois et qui donne des réponses. C'est pour ça qu'il est tellement apprécié et qu'il donne énormément de débats, de conférences, de formations aussi. Vous pouvez l'inviter partout en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc voilà, rendez-vous jeudi 18h30, ouverture à 18h à la FGTB pour les Liégeois et tous les gens des environs. Je voudrais dire que c'est donc la reprise de Michel Billy et vous nous avez remercié pour ce retour. Vous avez beaucoup dans vos commentaires, merci, remerciez Saïd d'être là et de tout le travail qu'il fait. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un gros boulot. Pour écrire des livres, j'en sais quelque chose, et les siens sont vraiment très très soignés, très très bien, et donc c'est l'occasion de venir le remercier. Je signale bien entendu que Saïd anime sur Investigation une émission qui s'appelle « Le monde vu d'en bas ». Je remontre une vignette d'annonce, mais en fait c'est hebdo, et donc c'est un autre format pour ceux qui ne connaissent pas que Michel Midi, où on prend du temps. Là, vous avez en 5 minutes l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur un sujet, et c'est extrêmement varié. Là, je vous ai montré une vignette d'annonce, mais il y en a tous des sujets, donc inscrivez-vous. Les trois prochains Michel Midi seront consacrés mardi prochain au Brésil avec Inès Oloudé, que vous avez déjà vu dans Michel Midi. Que fera Lula? Et s'il est encore disponible, j'espère qu'on aura l'intervention d'un ami africain, Roland Diane, pour un intéressant dialogue, justement, sur Lula, les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui peut arriver. C'est très très important dans l'évolution stratégique mondiale. La semaine suivante, donc le 6 décembre, à Saint-Nicolas, ça tombe bien, je ferai la traditionnelle annuelle revue des livres, les nôtres, mais les autres aussi, tout ce qui est dans la fiction, dans la non-fiction, qui est intéressant pour faire des cadeaux. Il y aura des bouquins pour les enfants aussi, un peu toutes les catégories. C'est très important de lire pour se former. Et le 13 décembre, on aura un autre auteur d'investigation, Staff Hendricks,
Je vous montre le livre ici. Voilà, il y a pas mal de reflets, mais le sexe dans tous ces débats, confidence d'un médecin. Alors, évidemment, je vais faire ma mauvaise blague habituelle. Est-ce qu'Investigation est en faillite et est obligé de sortir un bouquin sur ce sujet-là pour s'en sortir? Non, évidemment, on s'intéresse à tous les sujets qui ont, où la société dans laquelle on vit a un impact, et il en a là-dedans aussi. Et donc, c'est un bouquin très sérieux, mais en même temps très chouette. Très concret, avec une analyse de l'impact et de comment on peut analyser ça justement pour un épanouissement meilleur des hommes et des femmes. Tant que je suis là, je présente nos autres livres tout récents. Là, il y a un tout mini, c'est la réédition de mon livre « Libye, Otan et médias mensonges » en 2011 sur l'invasion de la Libye, où j'étais allé avec une délégation et où j'avais annoncer effectivement les catastrophes qui allaient survenir du fait qu'on s'alliait avec Al-Qaïda. Je signale aussi, il y a du reflet, j'essaie de bien l'incliner, voilà, Badia Benjelloun, qui malheureusement vient de nous quitter il y a quelques mois. Vous l'aviez vu dans Michel Midi. Je suis passé vous parler de l'avenir. Bruno Tvreski, que je remercie, a rassemblé quelques-uns de ses excellents articles. Et ça reste tellement valable, c'est vraiment quelqu'un qui n'est plus avec nous, mais qui a analysé le présent pour permettre de prévoir l'avenir. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important. Voilà, on a un dernier petit message à vous faire passer. C'est que vous vous en êtes rendu compte avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec la paupérisation terrible des ménages, et pas seulement de ceux qui étaient habitués à tout calculer et à faire attention à la fin du mois, mais même des gens qui auparavant vivaient sans se soucier de ça sont en train d'avoir peur, et nos dirigeants sont en train de nous dire que c'est comme ça et que c'est comme ça qu'on va toujours vivre et qu'il faut juste se serrer la ceinture pendant qu'eux évidemment accumulent des fortunes. Donc il y a ça. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de malaise dans les discussions qu'on a autour de soi. On voit des gens découragés, des gens qui ont peur. Ça se voit sur les jeunes, sur les enfants aussi. Donc je crois que de tous les côtés, on est en train de voir que le monde devient de plus en plus inhumain, de plus en plus dangereux. Ce qui se passe autour de l'Ukraine doit être pris très très au sérieux. Et donc les gens sont souvent pessimistes quand on leur dit « Est-ce qu'on vivra mieux demain ?» Ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent « Oui ». Mais ils sont aussi en recherche. Il y a donc plus de recherche. Auparavant, la politique internationale, beaucoup de gens disaient « Oui, mais ça, c'est loin. » Mais maintenant, c'est dans notre portefeuille directement aussi. Donc, on doit s'interroger sur ce qu'on est en train de nous vendre et ce qu'on est en train de nous raconter. Et pour ça, l'information, c'est vraiment la clé. Il y a de plus en plus de méfiance envers les médias, mais en même temps, 80% des Belges, et je pense des Français, avalent le discours sur l'Ukraine, alors que c'est un truc qui ne tient pas debout, qui est plein d'invraisemblances et plein d'oubli où on cache vraiment l'essentiel. Donc c'est pour ça, comme je le disais au début, pour ceux qui nous ont rejoints plus tard, que je suis en train de travailler sur « Ukraine, la guerre des images ». Ce sera un livre illustré, en couleur, 50 exemples de désinformation, justement pour que vous puissiez parler de ça autour de vous et faire la connexion avec les thèmes de Saïd, avec les thèmes de tous nos autres auteurs et d'autres auteurs chez de bons éditeurs, pour que vous puissiez justement avoir cet instrument. Et donc, le problème avec les livres d'investigation, c'est qu'ils sont censurés. Ils sont censurés par les télévisions, par la presse écrite, et ça depuis longtemps. Maintenant, ils sont censurés d'une manière sournoise par les GAFAM qui s'arrangent avec le deranking pour que quand vous cherchez sur Google sur un sujet, ben, vous ne nous trouvez jamais. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, même quand je mets des mots très précis avec mon nom sur des bouquins, ben, ça se retrouve en page 5 dans Google, là où personne ne va. Donc on a un vrai problème, et pour le livre de Saïd, ça va être la même chose aussi. Je peux vous dire qu'il ne va pas passer sur TF1, donc c'est à vous de remplacer TF1. Et c'est à vous de faire en sorte que ce livre touche non seulement vous qui nous avez suivis aujourd'hui, mais les gens qui ne sont pas sur Michel Midi parce qu'ils pensent que c'est des complotistes, des ceci, des cela, ou parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué pour eux, ou que ça leur arrivera jamais. Donc c'est à vous de faire la jonction
Et là, on vient, il y a 2 mois, de se réunir avec l'équipe d'Investigation qui est en train de s'agrandir grâce à votre soutien financier. On vient de se réunir et de voir comment on allait pouvoir développer Investigation dans les années à venir. Et donc, dans Investigation, il y a le mot « action ». Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les gens qui font l'investigation comme nous, mais il y a les gens qui doivent agir et nous soutenir et prendre leur part dans ce travail. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. Il y a une adresse que je vais vous afficher maintenant. Elle est... je la cherche un petit peu de patience, je n'ai pas l'habitude. Non, là, je m'étais trompé et je ne l'ai pas... Ah si, elle est là. Non, je me suis carrément trompé. C'est pas grave. Vous pouvez écrire à tine@investigation.net, tine@investigation.net. Et si vous pouvez nous donner un coup de main pour faire connaître les bouquins de Saïd, les autres bouquins, pour organiser des conférences, des débats, des discussions, c'est vraiment ça qui va changer les choses. C'est pas 2-3 auteurs comme nous, ça suffit pas du tout. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. Donc j'appelle les amis liégeois à nous retrouver pour parler tout ça jeudi à Liège. J'appelle tous les autres à venir écrire à Michel Midi et à participer à notre travail. Merci Saïd d'être venu avec nous. Je propose que tu prennes le mot de la fin, un message. Qu'est-ce que tu attends des gens qui nous ont regardés et qui, bien sûr, nous regarderont à partir de ce soir sur YouTube? Ben j'irai dans la lignée de ce que tu as dit. Le monde peut parfois paraître inchangeable. Heureusement que, de tout temps, des gens se sont dit, là où il y a injustice, on peut la faire cesser. Donc, bougeons-nous tous et le monde changera. Et ça commence effectivement par d'abord... diffuser tout ce qui nous permet de comprendre le monde tel qu'il est. Et donc, renforçons l'investigation, renforçons le travail d'analyse critique et nous irons dans la bonne direction. Voilà, et c'est ce que José, parmi Facebook, vient d'exprimer de manière très simple. Le bouche à oreille devient chaque jour plus essentiel. Voilà. Absolument. Très bien. Merci à vous. Et on va prendre congé de Saïd. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine sur le Brésil. Là aussi, il y a des choses qui donnent espoir, il y a des analyses importantes, il y a besoin d'en parler, et pour en parler, il faut s'informer. Rendez-vous mardi prochain à Michel Midi. Bonjour Saïd, merci. Au revoir.